Hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce dernier jour de la semaine, vu qu'on est vendredi 30 avril 2021. On démarre avec le jeu Le Petit Lenormand. On va regarder un petit peu qu'est-ce que lui va nous dire et je viendrai peut-être compléter avec la triade. Bien sûr, comme à l'habitude, travail, amour, santé, finances. On va pas oublier bien sûr les célibataires et aussi qu'est-ce qui vient s'immiscer au sein du couple. Pour ceux qui sont en couple et bien sûr tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique, ça c'est sûr. On viendra aussi enfin regarder tout ça. Allez, c'est parti sur un plan professionnel en deux cartes, s'il te plaît. On a ici le chien et on a ici la clé. Sur un plan professionnel, on nous parle ici des opportunités qui viennent peut-être à vous par rapport à une connaissance, quelqu'un ici qui vous veut du bien. D'accord? C'est quelque chose ici de bien favorable, de bien agréable. Et comme par hasard, on est encore vendredi et souvent, eh bien, les milieux de semaine et les fins de semaine, c'est assez récurrent que c'est quand il y a vraiment des changements, des évolutions. Et on vient ici, peut-être que tu n'as encore pas rencontré cette personne qui va pouvoir te donner ce petit coup de pouce dans le domaine professionnel que celui que tu es en attente. Mais s'il n'est encore pas là, eh bien, il est en train de venir. On nous parle ici de la clé. Tu es aussi la clé, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire que si toi, tu ne décides pas de te mettre en mouvement, eh bien, les choses, elles ne peuvent pas venir à toi. Est-ce que c'est clair, ce petit message? On a ici la faux. Justement, c'est toi qui dois prendre la décision de. La faux représente aussi qu'il est temps aussi que tu sèmes. Hein, il est temps aussi de couper un petit peu ici, comme on voit ici le foin. On coupe le foin, ça veut dire qu'on coupe le blé. Hein, on va ramasser, après on va le travailler. Et toi, c'est la même chose. Ça veut dire tout simplement, en trois cartes, qu'il est temps tout simplement de te mettre en mouvement sur un plan que tu as envie dans ce domaine professionnel pour aujourd'hui. D'accord? Et pour ça, tu dois être en phase pour que de l'autre côté, eh bien, on puisse aussi t'apporter des amis, des rencontres qui, elles vont pouvoir, eh bien, te faire avancer d'un cran sur ton plan professionnel. C'est parti sur le plan ici sentimental. J'arrive. Alors, sur le plan sentimental, on nous parle ici anneau. L'anneau représente la concrétisation d'un désir d'entamer une démarche avec votre autre. Est-ce que c'est une envie d'habitation? Est-ce que c'est une envie ici d'emménager ensemble, d'acheter quelque chose? En tout cas, l'anneau, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il représente pour vous. Parce que pour moi, c'est vraiment cette collaboration. On est dans le sentimental, et bien voilà, ça veut dire qu'on se donne entre guillemets corps et âme à l'autre parce qu'on a le même objectif et on a envie de concrétiser un rêve ensemble et on y va dans ce fait-là. Hein. En tout cas, le sens, il s'y prête super bien. Ah, ils ont décidé. Ok. Donc aujourd'hui, Suzanne, elle va faire que de ramasser des cartes. Préparez-vous. Ils sont au taquet. Vous connaissez l'expression que la terre est basse? Je la sors souvent. On a ici le soleil. Donc, il se peut que justement vous étiez en attente. Peut-être que c'était encore pas le moment pour que vous avanciez sur un plan avec votre autre. Et là, eh bien, c'est le moment. Vous sentez que les choses, elles sont en train de se mettre en phase, en place, un petit peu comme le soleil levant. Hein. Donc, on y va. On a ces ouvertures qui s'offrent à vous sur votre plan sentimental. Alors, la croix, est-ce que c'est pas une programmation? Alors, je dis bien une programmation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer ou votre mariage, ou en baptême, en tout cas quelque chose qui est en lien avec le religieux, avec une croyance profonde? Donc, est-ce que vous étiez en attente que, voilà, qu'on puisse inviter un peu plus de monde, hein, vu qu'avec ce Covid, c'est un petit peu compliqué, hein, donc. C'est assez ambigu. J'ai plus l'impression qu'on est sur une demande de mariage, des préparatifs de mariage, en tout cas quelque chose en lien avec la religion. C'est assez particulier. On continue ici sur le sentimental. Je vais juste avoir un autre message, s'il vous plaît.
Alors, pour d'autres, on a ici le cercueil, la verge et puis la lettre. Donc, sur un plan ici sentimental, j'ai l'impression aussi que pour certains, eh bien, vous décidez ou c'est toi qui as reçu la rupture de l'autre, ou alors c'est toi qui as décidé ici de tout simplement mettre un terme à la relation avec votre autre parce que vous en aviez marre un petit peu de subir, entre guillemets, hein. Il y a vraiment ce fait ici de subir, d'où on est peut-être dans le deuil de ce couple qui ne sera plus vu que tu t'es idéalisé ton couple et en fait tu te rends compte que tu tombes de haut quoi, tout simplement parce que eh bien cette personne elle ne t'est tout simplement pas destinée. On continue et on revient ici sur justement sur ce plan sentimental. On vient, on a un autre message, on a ici le cœur, le chien et la maison. Donc, on est aussi sur des rencontres aussi qui vont se faire, peut-être en lien avec un amour qui on se rend compte que cet amour il est très réciproque inconsciemment, et eh bien c'est peut-être un ami hein, ou une amie. Donc et puis là on voit que les sentiments ils sont plus autant amicaux que ça, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'évoluer, et puis on lui rend un peu plus visite ou elle nous rend un peu plus visite. Regardez un petit peu dans quel sens où vous vous situez. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un amour naissant qui est en train de se concrétiser si tu es célibataire. Hein, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a vraiment cette rencontre. Alors c'est assez. C'est un sentiment qui est encore un peu compliqué parce que ça fait tellement d'années qu'il y a cette amitié qui est là. Que pour franchir ce cap, eh bien, on a peur de perdre beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais ici, en tout cas, on a quelque chose de précis. On te dit, il est peut-être temps d'agir. Hein? Ici, j'ai plus l'impression que c'est l'homme qui a commencé à avoir des sentiments envers cette femme. Et puis, cette femme, eh bien, elle est assez en attente. Elle est assez en attente que tu fasses en fait le premier pas. Tout simplement. C'est ici une personne aussi qui a déjà peut-être des enfants, hein, qui est trop ici dans la protection des siens, dans la protection de sa progéniture, tout simplement, d'accord? Et puis, elle n'a pas trop la tête aux sentiments. Donc, toi, tu as cet amour naissant. Elle, de son côté, il y a quand même sa titille la moindre. Mais voilà, peut-être qu'elle se dit non, je suis en train de. C'est du fake ou quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai plus l'impression que c'est à l'homme à franchir vraiment le cap. Exactement. C'est fou parce qu'on a ici l'amitié et puis on a le livre un petit peu du secret où on connaît l'autre, on sait tout de l'autre. Hein, un ami, on lui raconte toute sa vie, entre guillemets, hein, ces amis-là. Donc, elle sait tout de toi, tu sais tout d'elle. Et d'où il y a ces sentiments naissants qui sont en train de venir. Et puis, on a un petit peu la peur de briser cette amitié. Il faudrait peut-être. Il faut franchir le cap, quoi. Il y a un amour naissant là, je suis désolée. Faut pas avoir peur. Donc voilà, sur un plan ici sentimental, on a ici des demandes de mariage. On concrétise ici un désir du couple, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, on met vraiment un terme à une relation. Ou alors, est-ce que tu as reçu, toi, est-ce que c'est. Est-ce que c'est l'autre qui a décidé de mettre un terme à cette relation, d'où tu es ici un petit peu dans le deuil de ça, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous avez des rencontres, enfin, vos rencontres, pour ceux qui sont célibataires, je vais essayer de m'exprimer correctement, hein, pour ceux qui sont célibataires et qui ont vraiment un amour qui est en train de naître à travers son ou sa ami ou amie, d'accord? Vous sentez que c'est différent, et eh bien là, c'est peut-être le moment de franchir un cap. Hein? C'est pas pour rien. Souvent, ces rencontres-là ne nous viennent pas dans nos vies par hasard. Surtout que ça fait des années que ça dure. Hein? Vous connaissez tout l'un de l'autre, donc il n'y a plus qu'à quoi. Donc voilà un petit peu sur le plan ici sentimental.
Je vais continuer ici sur le couple. Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein du couple? Et on a ici l'arbre, un désir ici de se retrouver, de reprendre un petit peu une bouffée d'oxygène. Peut-être que vous êtes trop au taquet, vous avez vraiment besoin ici de vous retrouver. Hein. Peut-être que vous avez envie tout simplement de fuir. Hein, parce que voilà, il y a la fatigue et besoin de repos, besoin de vacances tout simplement. Sur un autre plan, on a ici le serpent. Et ce serpent, eh bien, il vient nous parler ici de méchanceté, de mégère peut-être, hein, des mauvaises langues, comme j'appelle, qui viennent ici un petit peu te mettre un petit peu du chenil dans la tête, entre guillemets. Sur un autre plan, vous savez très bien que pour moi, le serpent, alors, je ne le conçois pas négativement. Parce que pour moi, le serpent, il représente aussi la mutation, le changement, on mue, on évolue, on change de peau. Et on change de peau parce que, eh bien, on grandit, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, hein, ce qui vient un petit peu s'immiscer au sein de votre couple, eh bien, c'est que malgré que les personnes viennent ici vous enquiquiner avec des dires, avec des propos assez... qu'il faut qu'ils aillent balayer devant leur porte, tout simplement, hein, avant de venir cracher sur la tienne. Mais j'ai l'impression que ça vous passe au-dessus, c'est fini, ça ne vous atteint plus. Vous êtes au-delà de ça. Donc, ce qui fait que à force de faire un petit peu, de ne plus faire attention, eh bien, ces personnes, elles vont tout simplement s'éloigner, s'effacer et ne seront plus, ne feront plus partie de votre cercle, tout simplement. Encore un. On a ici la haute tour, il y a ici un désir tout simplement d'avancer, peut-être que vous êtes en train de réfléchir avec votre moitié, de justement peut-être un désir ici de déménager, d'aussi peut-être eh bien de construire quelque chose, hein, d'emménager sur une nouvelle demeure que vous avez décidé, choisi. Et surtout, vu que c'est la tour, ça nous parle ici de construction, mais ça nous parle aussi d'une construction sentimentale. Donc ici, on franchit un cap. Il y a peut-être quelque chose qui a été détruit à un moment, mais ça a fait que, eh bien, vous avez pu, eh bien, construire sur des fondations solides, d'où actuellement, eh bien, vous avez passé une étape supérieure. Et puis surtout, on n'arrivera plus, on ne peut plus venir ici vous ébranler avec des pécadilles, des conneries, des dires ou autres. Hein, vous êtes au-delà de ça, un petit peu comme des vieux sages de couple, hein, vous représentez assez ça. On continue ici pour vous les célibataires. On a ici le cœur, la joie et le bonheur qui vient vers vous pour aujourd'hui. C'est bien joli. Hein, des rencontres, des amitiés. Il y a aussi un bouquet de fleurs, un présent qui va vous être offert. Alors, je vous dis un bouquet de fleurs, mais c'est assez particulier. Alors, il se peut qu'on vous apporte un bouquet de fleurs, mais par image. Alors, c'est dingue parce qu'on montre un chapeau avec des fleurs. Alors là, vous m'avez perdu. Est-ce que vous ne demandez pas des signes à vos guides, hein, pour dire oui, est-ce que je vais rencontrer, est-ce que machin? Et puis, la symbolique que vous êtes en attente, est-ce que vous n'allez pas la retrouver sur un objet? Bref, ici on vous parle de joie, de bonheur, donc l'amour qui vient ici vers vous, hein, pour vous les célibataires. On continue, les livres, le livre, le secret, ce qu'on désire, ce qu'on y inscrit, notre souhait. Donc on est vraiment sur une réponse à un désir, d'accord? Comme je vous ai dit avant, vous faites des demandes et j'ai l'impression qu'on répond à vos demandes sur ce plan ici sentimental. On a ici le poisson. Le poisson pour moi représente le voyage, représente ici une évolution.
On est ici sur le plan sentimental pour vous les célibataires et j'ai l'impression ici que vous avez besoin aussi de lâcher prise sur, sur des relations passées. Hein, ou actuellement, eh bien, si vous vous retrouvez encore célibataire, c'est que justement, vous n'êtes pas prêt à vous laisser agripper par quelqu'un. Oui, vous avez envie, je ne le cache pas, mais est-ce que tu es prêt? Ça, c'est une autre histoire. Il y a le désir et puis il y a aussi être prêt. Et ça, c'est quelque chose ici qu'on te demande de travailler. Oui, tu es quelqu'un qui a besoin de rencontrer du monde, tu as besoin ici de contact, autant charnel que autre. Mais est-ce que tu es prêt à te lancer dans une nouvelle relation? Parce que de ce que je peux entendre et comprendre, c'est que actuellement, oui, tu as envie de rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un est en train de venir à toi. D'accord? Vu qu'on vient ici répondre à tes désirs, à tes demandes. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser aborder par cette personne? Ou alors, est-ce que à force de ramasser plein la figure, tu t'es pas créé un petit bassin, une petite piscine que pour venir avec toi dans l'eau, hein, vu que tu es représenté ici comme un poisson, eh bien, il y a quand même un pas, c'est une entrée à franchir, quoi. Donc, est-ce que tu n'as pas mis le bouchon un petit peu trop haut? Tes demandes, est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu trop... un petit peu difficiles à mettre en... à accéder, quoi. J'ai l'impression qu'il te faut encore du temps. Tu as envie, tu as ce désir, on te répond favorablement, hein, vu qu'ici on vient répondre à tes demandes. Mais là, la question c'est, est-ce que tu es prêt? Parce que si oui, ça vient. Si oui, mais je veux plus que, sois au clair avec ça. Et puis après, laisse venir. On ne vit pas avec la peur. On ne vit pas avec... oui, la peur de repartir sur un même schéma avec quelqu'un. Non, c'est une nouvelle aventure, un nouveau livre ici que tu es en train de, que tu vas écrire, hein, que vous allez écrire et surtout on vient ici répondre à tes désirs. Donc c'est du favorable, hein, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Alors peut-être que cette rencontre, hein, pour vous célibataires, elle va être un petit peu aléatoire. Un petit peu le bonheur, la chance, à savoir que le petit bonheur, la chance n'existe pas. Tout est déjà défini de l'autre côté. Mais c'est un petit peu inattendu. C'est quelque chose que tu n'y t'y attends pas du tout, d'accord? Donc cette rencontre, elle est là, elle va arriver. C'est peut-être lors d'un déplacement, hein, lors d'un voyage que cette rencontre va venir. Ouais, lors d'un voyage. Est-ce que tu ne vas pas aller rencontrer, est-ce que tu ne vas pas aller visiter quelqu'un? Peut-être avec des amis et là il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, ça a l'air bien agréable. On a la petite souris qui nous parle ici de travailler, de protéger. Ok. On a sur les célibataires trois catégories. Pour une catégorie, pour ce jour, eh bien, vous avez cette rencontre qui est là vu qu'on répond à vos demandes, d'accord? Par contre, est-ce que tu es prêt? Ça, c'est une autre histoire. Une seconde, on te dit ici que, oui, tu es célibataire actuellement, mais cette rencontre, eh bien, viendra par le biais d'un voyage. Je ne dis pas un déplacement, je dis un voyage. Ce n'est pas la même chose. Vu que ici, c'est quelque chose, peut-être tu es en train de me dire, oui, mais Suzanne, j'ai encore rien préparé, je veux partir nulle part. Ok, je le conçois, je le prends, je l'entends très bien. Vu qu'on me le donne, je l'entends. Donc, mais on te dit, on a ici le trèfle qui n'est encore pas décidé. Un petit peu la chance. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il va y avoir une opportunité vu qu'il va y avoir ce déplacement, vu que tu vas partir en voyage, hein, un déplacement lointain, pour aller rencontrer peut-être un membre de la famille ou visiter quelqu'un. Et c'est là qu'il y a cette rencontre qui va se manifester. D'accord? Et pour d'autres, eh bien, pour l'instant, c'est vrai que vous êtes encore dans ce
célibat, mais par le biais d'un veuvage, d'accord? Ça veut dire que vous êtes vraiment encore dans le deuil, d'accord? Je m'excuse de parler comme ça, mais voilà, on peut être dans un deuil parce que l'autre, il est parti de l'autre côté du voile, mais on peut être aussi dans un deuil d'une relation qu'on y a cru du fond de notre cœur parce qu'on aime la personne, et puis que bah, l'autre nous dit tout simplement, bah voilà quoi. J'ai plus l'impression ici que on préfère actuellement être célibataire, hein, on a trop ramassé, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, on a besoin de poser, hein, de poser un petit peu sa vie de couple. D'où, pour certains, oui, tu es seul, mais pour l'instant, eh bien, il y a encore trop à travailler en lien avec du passé. On continue ici sur la santé, sur vos énergies, sur la santé. Je suis pas médecin, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient au sein ici de vos énergies. Non. Il y a trop de cartes, merci. Alors, on a ici le cavalier. On vous parle ici d'une nouvelle qui va ici réchauffer vos cœurs. Peut-être que vous démarrez ou comment je peux vous dire? Est-ce que vous démarrez ici quelque chose ici de nouveau, d'accord, sur tous les autres plans et qui fait que bah, vous avez la patate, hein, tout simplement. On sait très bien que si on va bien dans tous les domaines, et eh bien nos énergies aussi, elles vont bien vu qu'on est au taquet et puis on a un bobo, c'est que dalle. On essaye de dominer, hein, mais bref, on a ici vraiment une bonne nouvelle, hein, qui vient ici à vous. Est-ce que c'est des résultats que vous avez faits, que vous étiez en attente et vous aviez peur que... Et là, on vient enfin vous apaiser, donc je ne vois aucune ambiguïté ici au sein de vos énergies. Ici, on a le monsieur, donc quelqu'un ici de conquérant, hein, qui est au clair, qui domine. Donc, vraiment aucune ambiguïté ici au sein de vos énergies. Au contraire, c'est rigolo. Le 1, le 28. J'aimerais encore une carte, s'il vous plaît, pour finir. Ok. Et l'ours. C'est un petit peu, j'ai l'impression que sur le plan ici de vos énergies, vous avez, c'est un petit peu comme le temps. Je pense que le temps, il interagit énormément avec vous, avec vos petits tracas, vos petits bobos du corps, hein. Et puis l'ours vient ici nous parler d'une sortie, hein, d'une hibernation, un petit peu comme si on se requinquait. On sent que on est un petit peu comme le soleil, on est au printemps, on a besoin ici de reprendre un petit peu, de recharger nos batteries, hein. J'ai assez l'impression que c'est comme ça. Donc sur le plan ici de vos énergies, une nouvelle bien agréable vient à vous, hein, donc voilà, peut-être des résultats. Et puis on a ici le bel homme qui nous parle ici vraiment de concrétisation, d'accord, de posture, de tout va bien, tout simplement. Il n'y a rien qui vient vous emmerder au sein de vos énergies, hein, c'est ça qui est cool. Et puis l'ours, eh bien, on a cet éveil, un petit peu comme si maintenant vous sentez que vous devez aussi vous recharger et vous faites ça pour, ce qui fait que... Eh bien, ça ne peut aller que en positif. Comprenez ce que je veux dire? Parce que vous faites attention aussi à vos besoins. D'accord? Peut-être qu'il y a un changement nutritionnel, hein, que vous avez démarré, hein, ça c'est aussi possible. Ou alors des vitamines que vous avez commencé, en tout cas, bien sûr avec l'ordre médical, hein, ça c'est sûr, hein. Faire attention à tout ce qui est vitamines que l'on prendrait ou autre chose. Il faut toujours faire attention. Ils sont très amoureux aujourd'hui, c'est agréable. Je fais travail, amour, santé, finances. Je n'ai pas fait les finances. On y va sur les finances. Ça fait combien de temps? 24 minutes, ça va. Plan financier, s'il te plaît.
plan financier, à nouveau, ami et bonne foi, nuage, éloignement. Excellent. Sur le plan ici, financier, on vous parle ici du chien. Le chien, ça représente l'amitié, d'accord? On est ici sur un plan financier. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fuir aussi un petit peu ceux qui ne sont pas les bienvenus dans la maison, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas un bel aura, entre guillemets, hein. Et j'ai l'impression que sur un plan financier, aujourd'hui, on est sur le fait ici de la protection. Peut-être que on va vous dire tout simplement que vous ne devez pas agir sur ce plan financier-là, d'accord? Vu que le chien représente ici des amitiés, d'accord, des amis fidèles, ceux qui vous veulent du bien, souvent ceux qui ont été là quand vous étiez au plus mal, souvent on les compte sur quelques doigts de la main, hein? Des fois on a trop de doigts dans la main. Mais voilà, c'est cela qu'il va falloir écouter, vu qu'ici on va venir vous prodiguer des bons conseils sur un plan financier. Surtout, vous dire de ne pas investir, c'est vraiment ça que j'entends. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre quelque chose sur un plan, sur une évolution ici, une construction, d'accord? Peut-être que vous avez envie ici de construire, d'emménager, de collaborer avec un autre sur une entreprise, comme sur la construction d'un bien immobilier, hein, ou d'un partenariat. Mais voilà, prenez un petit peu le temps de réfléchir. Est-ce que c'est... Eh bien, le moment pour vous, est-ce que vous avez les finances nécessaires pour souvenir aux charges de tout ça, d'accord? Et surtout, est-ce que, un petit peu comme le taux, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais est-ce que vous pouvez pas trouver meilleur taux ailleurs, hein? Souvent, on demande d'aller faire plusieurs demandes pour être au clair, pour voir un petit peu sur quoi on se situe. Donc, ne prenez pas ce qu'on vient vous dire comme du pain béni. Allez chercher par vous-même, faites-vous des demandes. J'ai entendu un drôle de bruit. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait de l'agacement, c'est pour ça. C'est ça que j'ai entendu, hein. C'est de l'agacement. Donc l'autre risque vraiment d'être agacé. Le mot, ouais, c'est clair. Prends le large, d'aller voir ailleurs. Ouais. Sur le plan ici des finances, faites un petit peu attention les petites pousses parce que c'est pas le moment, c'est pas aujourd'hui qu'on investit. D'accord? Je pense que j'ai été claire là. On n'investit rien, on ne signe que dalle. On prend le temps, s'il vous plaît, de lire, d'aller demander conseil et surtout d'aller demander des offres ailleurs. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas, voilà un petit peu le message. Pour d'autres, on a ici la faux, l'enfant et le poisson. Pour d'autres, sur un plan financier, il est temps ici de récolter ce que vous avez semé, peut-être que vous allez enfin pouvoir démarrer, entreprendre ici quelque chose, un désir profond, un désir lointain. Comment je peux vous dire ça? Un rêve de gosse. Et là, eh bien, vous avez, bah, vu qu'on a la faux ici, le blé, hein? Donc, pour moi, le blé représente, eh bien, tout ce qui est bon augure, d'accord? Et tu as la possibilité ici de récolter, de récolter, pas de semer, de récolter, parce que, eh bien, c'est le moment aussi idéal pour toi. Ce n'est pas la même chose, le message n'est pas identique ici en haut. Ici, on va venir vous demander une collaboration, quelque chose, hein, peut-être un partenariat, et on vous dit non. Hein, on vous dit de ne pas répondre favorablement à ça, prenez un temps de recul, allez-vous faire des offres avec les documents que vous avez déjà pour voir un petit peu si vous ne pourriez pas trouver meilleur ailleurs, d'accord? Et sur d'autres, on voit qu'il y a eu des investissements qui ont été faits déjà, peut-être
déjà vos parents qui avaient investi sur des choses. Et là, vous avez la possibilité, l'opportunité. Je sais que je ne m'adresse pas à tout le monde et ça, je sais très bien. Pour cela, vous avez l'opportunité ici, eh bien, de vous enrichir, entre guillemets. Ça veut dire que c'est peut-être le moment ici d'investir parce que peut-être que vous risquez de tout perdre parce qu'il y a quelque chose ici qui risque de s'effondrer. Hein. Peut-être, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas des gains boursiers hein, et puis il y a quelque chose ici qui commence à baisser un petit peu. Alors, est-ce que c'est pas en lien, vu qu'on est ici sur du financier, pour d'autres, eh bien, on a un héritage, donc oui, on a cette douleur de la perte d'un être cher, mais voilà, ça vient ici nous amener cette, ben, la bonne augure, entre guillemets, parce que vous avez l'opportunité ici de sortir d'un gouffre. De pouvoir ici souvenir aux besoins parce qu'ils étaient juste, c'était pas possible. Et enfin, vous pouvez ici regarder. Enfin, c'est comme. Comment je peux vous dire ça? C'est comme si on était dans une sacrée merdouille, d'accord? Et puis, ben voilà, on a un héritage ou alors une succession qui nous vient comme ça et qui nous fait ici sortir, nous donne l'opportunité de sortir la tête hors de l'eau. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, et qui vient ici vraiment vous soutenir. On a ici la lune. Hein, donc, cette lune représente un petit peu quelque chose qui ne vous avait pas été dévoilé, quelque chose que vous avez été caché. Hein, vous n'étiez pas en attente de ça. Donc, cet héritage, entre guillemets, ou ce don, est-ce que c'est pas d'un être que vous ne considériez pas comme il est, en faisant partie de votre famille? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient un petit peu de loin, comme si cette personne ne vous était pas. N'était pas du même sang que le vôtre, mais par contre, il y a un don qui vous est donné. C'est assez particulier de ce que je ressens. C'est assez bizarre. J'ai tout le corps qui est en résonance. C'est assez particulier. Est-ce que cette personne était en chaise roulante? C'est quelque chose en lien avec ça? Ouais. Bref, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà quoi. Des petits sous qui rentrent, ça c'est bien, ça va vous faire plaisir. En tout cas, je sais que c'est précis à certains d'entre vous, hein. Le couple, j'ai fait. Célibat, j'ai fait. Sentimental, c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que je vais me faire une liste et puis je vais checker. Par contre, je suis un peu déçue, quoi. Je l'ai vu sur les vidéos qui ont vachement baissé. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Est-ce que je fais trop dans le. Est-ce que je fais trop? Ou est-ce que je fais pas assez? Mais ça m'étonne. Dites-moi un petit peu en commentaire. Si vous avez un petit peu des, je sais pas, des idées ou s'il faudrait que je change quelque chose ou si je fais pas quelque chose qui pourrait vous apporter qui vous êtes vous, ouais, qui pourrait vous apporter quelque chose quoi, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose toi à me dire par contre? Heureux présage. Laisser faire. On vient tout simplement me dire de ne pas m'enquiquiner avec ça. C'est comme ça. Il y a des vues, il y a des vues, il y a pas, il y a pas. Tout simplement. L'important, c'est que toi, tu reçois ton message. Ça s'arrête là. Hein? Oh, on me remet en place, ça. Mais après, ouais, on cherche quand même. Hein? On se demande pourquoi des jours il y a et puis des jours il y a un peu moins. Mais bon, c'est un petit peu aléatoire, c'est comme ça. Petit bonheur, la chance. Entre guillemets, ça va très bien que ce n'est. Hein? Il n'y a pas la chance. La chance n'existe pas. C'est nous qu'on a, qu'on lui donne l'impulsion et qu'on se met en phase au bon moment pour qu'on puisse avancer.
Donc, j'arrête de raconter ma life. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien, likez, partagez, laissez les petits commentaires. Si tu passes par là, que mon tirage te convient et que tu as envie de t'abonner, eh bien, fais-le. Et si tu n'as pas envie, bah, fais-le pas. Hein. Il faut écouter ton besoin. Ça, c'est très important. Ça fait un moment que je ne les ai pas sortis. Ah, il faudrait peut-être que je recommence. Bref, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Bisous. Bye bye.